Radio Transmondiale a présenté à travers la Bible. À travers la Bible, c'est une série études bibliques que Dr. G. Vernon Magui t'a préparé pour aider à comprendre plus bien la vérité qui gagne dans la Bible, qui c'est parole, mon Dieu. Présentateur, Pasteur Storly Michel. Moi, content de rencontrer aujourd'hui, puis on l'autre étude biblique à travers la Bible. Pour nous, on va baser sur 16 premiers versets, dans Décorinthes, chapitre 12. On va commencer avec la prière. C'est vous, papa, qui mettez et signez la vie, nous. Et c'est vous, et vous-même, celle, qui méritez louange avec adoration. N'ap loué non, Seigneur. N'ap mélangez voix, nous, avec voix d'angeons dans ciel avec concert symphonique ça a fait dans la nature et dans l'univers pour dire saint 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 c'est celui-là qui chita sous grand trône blanc que non papa capable glorifier dans la vie nous même gens ça fait dans ciel là dans moment ça Seigneur n'a demandé au quitter l'esprit saint en fait travailler dans la vie nous quitter l'enseigner et diriger nous dans programme jeudi hein quitter l'utiliser parole là qu'on a proclamé ce qui est vrai, dénoncer ce qui est faux et convaincre les gens qui n'en l'iraient. Que c'est volonté au papa et volonté au assez qui fait parmi nous dans le moment ça. C'est dans notre Seigneur Jésus, parole qui te tourne le monde, que nous prions. Amen. Semaine passée, j'ai tellement semblé pas qu'à quoi y aller. Pas un lit, pas passé. Même si la terre les mondes crasés. Osez parler, la guerre tout côté, dictateur tombé, tout bagage changé. Yeah.
ou bienvenue dans le programme nous pour journée 1, nous avons étudié des Corinthiens chapitre 12, verset 1er à verset 16. Des Corinthiens chapitre 12. Ou qu'attendez, nous dit ça déjà pour l'autre chapitre, mais c'est vrai, chapitre 12, deuxième livre Corinthien, c'est un chapitre spécial, un chapitre extraordinaire. Jodian, il a fait un pile étalage sur le voyage l'homme a fait dans l'espace. L'homme bâti une station dans l'orbite terrestre là, et au même rivé fait monde marcher sur la lune. Tout ça, c'est gros gros et belle bagaille. Mais, là où considérer grand des espaces qui entourent nous, là où garder quantité distance qui t'a gagné pour parcourir dans l'univers, eh ben, ou rendre compte que voyage spatial l'homme a réalisé, je coulis à yo, pas trop impressionnant, parce que c'est vrai. Bon, nous devons réaliser, évidemment, gagnons belle distance qui sépare la Terre avec la Lune. Mais, là où mettez-le en perspective, là où comparez-le, par exemple, avec distance qui gagne entre planète Terre avec planète Mars, ou bien n'importe l'autre planète, yo, eh ben, si distance la Lune, est en vain de pas représenter rien encore. Et là, yon moun commence à mesurer distance pour arriver dans les étoiles qui pi près yo, ta kou constellation Andromède lan, par exemple, eh ben, ou a découvrir l'homme poko nan bataille dit tout, non? Li poko pa kouri en pile distance dans l'espace vrai. Alors, dans même contexte ça, nous joignons la Bible dans nos informations sur trois moun qui te voyagé dans l'espace sidéral là, et qui après ça te tourné sur la Terre. Nous jouons tous les trois mondes à yo dans le Nouveau Testament. Peut-être, yo m'en a demandé, et pour l'Ancien Testament, m'te quoi Bible en dit, Enoch avec elle te faire. C'est vrai, yo t'es monté, mais m'pas quoi yo t'es arrivé dans le ciel dans les ça, non? Pendant t'es sur la terre, si Jésus te dit, personne pas qu'on monte dans le ciel. Et déclaration ça, t'es gain rapport avec l'Ancien Testament. Peut-être, yo m'en a insisté pour dire, bon, m'te pensé, il était monté dans le ciel, oui. Mais, pas briller, zami. Mot ciel là pas gagné en seul sens, c'est-à-dire, c'est pour seul ciel qui gagne. Bible a en fait parlé sous trois ciels. Qui fait, jouk nan époque, le Seigneur Jésus te fait déclaration là, l'est possible pour aucun humain pas de corriver dans l'espace sidéral là. Alors, faut que nous préciser, Seigneur Jésus peut-être parle, c'était une exception. Lui, c'est petit l'homme qui t'est sorti dans ciel là. Après ça, gen de l'autre place que y aurait le ciel et Jean te visite yon là dans yo pendant t'es dans prison dans île Patmos là. Ou a songé l'al t'a parlé sur voyage l'été fait, Jean t'a dit l'été monté jouk dans ciel là. Et nous penser c'était jouk dans troisième ciel là côté trône bon Dieu à quel t'est arrivé. Jean dévoile nous dans Révélation chapitre 4 verset 1er. Après ça, moi fait yon l'autre vision. Mwen wè yon pot l'ouvri nan ciel la. Voa ki tap sonne nan zorey mwen ta kou yon kleron an, mèm voa ki tap pale avèm anvan an, di m kon sa, monte bo isit, ma fè wè sa ki gen pou rive apre sa. Kon sa, nou kwe, Jean te monte nan ciel la. Kou li a, apot Paul li mèm a pale sou eksperyans pa la isit lan nan Dekorent chapit 12. Ki fè gen 3 moun qui te ka di nou kek bagay sou ciel la. Yon la dan yo, évidemment, c'est Seigneur Jésus, mais li se bon Dieu qui te manifesté dans la chair, et puis en réalité, li pa di an pile bagay sou ciel la non plus. Certainement, li di plus parce que n'importe l'autre monde, mais en gros, li pa de bay trop information sou ça. Jean, non plus, pa de gen pile bagay pour te di sou ciel, et apôtre Paul même, li pa di absolument rien sou côté ça. Alors, li bon pour nous songer dans qui contexte pour la parler là. Li dit dans premier partie verset 1er chapitre 12 là, moi obligé à vanter tête moi à tout moi connaît ça pas bon. Ou à songer dans chapitre avant, Paul t'est obligé mentionner péripétie qu'elle t'est obligé passer. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est l'esprit bon Dieu même qui te permet d'écrire ça. Li t'est écrit bagay aucun autre monde pas t'a écrit et pour dire vrai non pas qu'on ait des mondes qui te souffrent dans l'état ça pour nos seigneurs. Si n'a pas les causes sérieux, non pas quoi je dis à des mondes qui souffrent pour Jésus dans l'état Paul te souffrir en vrai. Au contraire, grand peu monde je dis à c'est bien mené, il y a bien mené dans l'évangile.
qui fait nous devons faire un peu l'attention les n'a chanter en série cantique. En pile fois nous dit nous prend quoi Christ là, nous quitter toute bagaille pour nous suivre lui, nous tout ni nous pauvres, y oublier nous, y mépriser nous. Nous dit Jésus c'est toute bagaille pour nous. D'accord, ça c'est belle parole, mais nous devons honnête dans façon n'a chanter yo et nous pas qu'appeler de dire un paquet de paroles qui pas correspondent avec façon à vivre là. Personnellement, on pas croire que doit chanter un tel cantique. Peut-être nous t'a qu'à chanter si c'était un cantique qui parlait sous gens nous pas bon, sous bassesse nous et si à travers tout ça nous t'a qu'à glorifier Seigneur Jésus. Et c'est ça qui vrai problème là, oui. Parce que bien souvent mon nan prend micro, il dit la baillon témoignage sur conversion. Il raconte toute histoire ça le qu'on fait, j'en te gen madichon, yon pi extravagant que yon l'autre. Li di koze jouk la bout, men li pa jom nomen non Seigneur Jésus, li pa di menm yon mo ki pi piti konsenan Christ la. Alors, wap mande si moun sa reyèlman bezwen Jésus pou chanje la vil. Mba kon pou, men mwen menm kwe, se Seigneur Jésus ki dwe resevwa tout gloa nan témoignage e nan kantik nou yo, san kwa, se pa le mete la, se gaspye tan. Paul di nou, li te soufri an pil pou remen Christ la. Après ça, les dit les glorifier dans bagay qui était passé yo. Paul te ka raconter vision avec révélation Seigneur te bali yo, mais ou ka remarqué Paul pa gen pile pour dire sur événement ça yo. Li pa ban nou absolument aucun détail sur ça qui était passé. Nous li dans des premiers versets yo dans chapitre 12 livre des Corinthiens là, moins obligé à vanter tête moins à tout moins connaît ça pas bon. Mais m'a vinn koulye a sou vision ak révélation Seigneur te ban mwen. Mwen konnen yon moun k'ap viv nan Kris lan ki te transporté jouk an honnête nan siel lan. Sa gen 14 ans dépassé. Mwen pa konn ki jan sa te fèt. Mwen pa ka di si el te monté tout bon nan kòl ou sinon si c'était yon vision li te fè. C'est bon Dieu seul ki konnen. Gen version nan Bible lan ki pale de transporté jouk nan 3e siel. Mais qui ça qui troisième ciel là? En fait, au cas songer Seigneur Jésus t'est parlé sous oiseau yo dans ciel là. Donc il est possible pour ça by référence aux atmosphères parce que oiseau yo pas capable voler puis haut passer atmosphère. Après ça, nous gain étoiles yo dans ciel là. Yo beaucoup plus loin passer atmosphère. Et après ça encore, nous joignent troisième ciel là. Côté trône bon Dieu hier. Donc dans sens ça ou ka wè jan sa ridicule pour yon moun ap di li pa te rencontrer ak bon Dieu dans l'espace. Même gen nan moun yo te voye dans l'espace yo ki kwè yo te arrivé ou ta wè yon pote ou bien yo ta wè trône côté bon Dieu chita pour le régner. Eh ben l'espace zami c'est deuxième niveau a. Pour l'homme ta wè bon Dieu, faut que li ta va aller beaucoup plus loin, infiniment plus loin. Passe rivé sur la ligne. Et puis Paul dit nous tout li konnen yon moun. Mais li clair que c'est propre témoignage li que la baï c'est là. Et puis il dit ça t'est arrivé 14 ans avant li t'écrire ça. Qui fait nous quoi li bien possible pour ça t'est passé dans époque l'elle t'a fait premier voyage missionnaire là. Dans premier voyage là, Paul t'a allé la ville Lys dans zone pays Galatie. Là ça travail chapitre 14 verset 19 dit nous quelques juifs sortis Antioche qui dans pays Pisidie ak Iconium. Yo prend tête volant, yo calonné Paul Koutroche pour yo touyele. Après ça, yo traînèl mette en dehors la ville là, yo té quoi té mouri. Ça vous pensez? Est-ce que Paul té trois ka mort ou soit té mouri tout bon? Bon, nous même nous croit Paul té bon Jean mouri parce que entre nous non pas que foule enragé ça a quitté ça yo pas rassuré yo qu'elle était bon gens mouri. Paul était mouri mais bon Dieu était levé dans la mort qui fait Paul pas trop certain si ça était ouais c'était une vision au soir s'il était monté dans ciel tout bon mais n'importe gens ça était ça c'était expérience personnelle. Verset 3 de Corinthiens chapitre 12. Oui, mwen konnen nom sa a te sentil monte jouk an ou nan paradis. M'ap répété, mwen pa gadi si li te monte tout bon an kòl
ou sinon si c'était une vision l'était fait, c'est bon Dieu celle qui connaît. Est-ce qu'elle t'est mourie et t'est montée dans le ciel, ou soit elle t'est seulement perdu connaissance et elle t'est fait une vision? Paul, pas de gagner une réponse finale. Donc nous-mêmes non plus, nous pas qu'à oser gagner une position dogmatique sur ça, pour nous dire c'est ça nous dit, à qui vrai, mais nous connaissons, bon Dieu, qu'on lève mon mourir. Mais encore, n'importe qui en s'atteye, résultat est toujours même. Paul est arrivé dans le troisième ciel. Maintenant, c'est qui ça le t'est ouais? Qui ça le t'étendait? Parce que si c'est ta pasteur nous aujourd'hui hein, qui t'a fait expérience pareille, c'est certain qu'il t'a écrit plusieurs tomes livres ou bien présenté une série de messages au paradis. Mais Paul lui-même, il était très réservé sur le voyage ça. Ça qui est intéressant ici, là, c'est là où on regarde pour que l'homme ça a été obligé de glisser, descendre dans un panier sous Mirai là. T'es un privilège monter dans le troisième ciel. Verset 4. En tant que t'es là, l'étendue yon bonne parole, bouche moun pa ka parler, cause moun pa gen doit répéter. Où est ça? Paul pa di nou rien, non? Bon, yon homme qui dit au létal dans le ciel, eh ben, tout moun attend comme ça pour tenter ça le bral di. Mais Paul pa di rien. Li pa fò ken promotion ni propagande, li pa bay aucun détail, ni li pa fè louange pou aucun homme. Li di chit lan dans verset 5 lan de Corinthiens chapitre 12, eh ben, m'ap fè louange nom sa, mwen pa fè louange tèt pam, excepté si c'est pour montrer jan fèb. Paul ap di, m'ap raconte nou faibles mwen, men pap di nou anyen sou sa m'te wè nan troisième ciel lan. Pour ki ça? Eh ben, nous jouons une réponse là, ici, là, dans verset 6 à verset 7, yo. Si moi t'es vrai, vanté tête moi pas taillé un monde fou, non? Parce que moi pas bail menti. Mais, moi refuse vanté tête moi pas ta vrai, pour y'a un monde rivé comprendre, moi plus, parce que ça l'été mette dans tête li moyen, l'alté, ouais, ça me fait, l'alté, de samedi. Malgré ça, pour l'orgueil, pas fait me gonfler avec qualité belle révélation, ça y'a me recevoir, y'a ben m'yon qualité maladie nan kom, ka fait me souffrir, ou t'as dit yon ange, ça t'envoye maltraiter me, pour empêcher me gagner l'orgueil. Nous pensons, en pile fois, Satan a essayé, ouais, s'il a fini avec nous, et où était nous sous terre. Et dans le processus, ça a, les capables d'utiliser toute qualité maladie nan kom. Mais c'est qui sa maladie dans corps Paul là teye? Eh ben, m'a dit ça tout bas, son petit secret entre moi et ma veuve, nous pas connaît. M'pas connaît sa Paul te wè dans ciel là, ni m'pas connaît qui qualité maladie il était dans corps. Gagnon commentateur écossais qui te dit Paul te gon madame et c'est madame ça qui te maladie dans corps qu'il t'a souffrir. Si m'a commentateur ça te doit gagne quelque problème familial. Nous-mêmes, nous pas quoi c'était ça vrai. En fait, Paul t'est toujours dit bon causé sous mesdames yo. Nous pensons, Paul t'est marié yon lè dans la ville, mais il était veuf dans moment ça. Il pas tourné marié encore parce que peut-être il pas voulait pour yon femme t'a passé tout problème avec toute difficulté ça yo. Il était gain pour l'en dire yo. Mais ça qui est intéressant ici là, c'est que bon Dieu t'est fermé bouche Paul, elle t'est fait rester en silence. Pour qui ça, Paul te gen maladie sa yon encore? Eh ben, yon nan raison yo, c'est pour te karete imbe. Pour éviter le pat monte tête pal tol, pour la fait trop grandise, pour tête vision sa akel te gen. Et puis, il continue pour dire nous, dans verset 8 là, de Corinthiens chapitre 12, en trois fois, moi la prié Seigneur pour maladie sa. Moi mandel pour wete li sou moi. Nous pensons peut-être Paul était malade danger, mais ça c'est nous qui avons spéculé parce que nous pas capable prouver. N'a pas les plus sociales en arrivé dans le livre Galates là, mais en gros nous croyons c'était une maladie danger. Paul dit l'ital présenté cas en trois fois devant Seigneur pour demander où était maladie ça encore. Et troisième fois finalement bon Dieu te dit Paul, on t'a déjà attendu au depuis première fois oui. Et me déjà répondre la prière là. Réponse là c'est non. Non, m'pas pour être maladie.
Est-ce que ça j'aime river pour insister mander bon Dieu yon bagay qu'elle déjà dit ou non li pa ba ou li? Eh ben Paul te fait ça. Li dit dans première partie verset 9 là, chaque fois li répond moi c'est fave ma c'est au besoin. Si te kou si bon Dieu dit Paul, m pa pou été maladie ça encore mais m'a fait au fave pour kasi poter. De Corinthiens chapitre 12 verset 9b. Parce que les ou faibles, c'est les ça mon wè pouvoir mwen nan ou. Qui veut dire l'était nécessaire dans voyage li yo pour Paul te faible physiquement parce qu'en fait c'est l'esprit bon Dieu qui t'a dirigé. Et puis nous li dans dernier partie verset 9 là, c'est peut-être ça nan fond kem mwen pito parler sous faiblesse mwen pour pouvoir Christ là qu'a metté m'en bazel li. Comme ça, Paul a dit, m'a glorifié tête moi dans faiblesse moi yo, non pas dans vision moi te guerre. Peut-être, l'étape bon pour monde cap marché dit yo te fait yon rêve ou yon grand vision sous bon Dieu yo, t'a fait même bouche yo et rete sans parler. Probablement, yo pas pète fait aucune vision. Simon, vent yo te trop plein avant yo t'al coucher. Yo fait quelques vieux rêves troubles et puis yo dit, yo fait vision. Coulier, Paul dit nous dans De Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est ça qui fait tout. Moi, content en pile, l'aime sentime faible. L'aime abjurim. L'aime dans l'affliction, l'aime en bas persécution. L'aime dans la difficulté. L'aime absibi, tout ça, à cause Christ. Parce que l'aime faible, c'est l'aime ça, pour gagner force. Et puis, à l'aïe, on contraste, nous gagnons ici, là, entre apôtre Paul avec Samson. L'esprit bon Dieu a été venu sous Samson et ça t'est rendu physiquement très fort. Mon yo t'est étonné ouais ça mais réveillon là Samson t'est venu affaibli. Mon foyo vin très faible. Mais faible vin fort. Et bon Dieu capable d'utiliser yon homme qui faible. Mais songez, tout ça pour l'abdi là c'est avec permission pour le parler, tant qu'il y a un monde fou. Les préciser ça plusieurs fois déjà, et la insisté sur ça ici là encore dans verset 11 là. Moi, saute parler là, tant qu'il y a un monde fou. Mais c'est nous-mêmes qui l'a cause ça. C'est nous-mêmes qui pour t'apprendre défense, moi. Moi, t'es mettre pas un rien vrai. Mais, à pot nous, y'a qui croit y'a plus passé tout le monde, y'a pas de rien passé moi. Paul t'est considéré tête-lui comme dernier parmi apôtres yo mais li dit li pa pipi ti passé yo yo pa gen anyen en plus passé verset 12 avec en pile patience bon Dieu fait nous wè compte signe compte miracle compte belle bagaille qui rive dans mitan nou tout ça pour ban nou preuve c'est yo apôtre moyen bon nous reconnaître ça pa yon bagaille qui trop populaire mais permettre nous dire ça quand même parce qu'il faut que nous dire gen kek mirak nou kwe ki te rezerve eksklizivman pou apote yo. E pami yo aparamman genyen geri moun malade, leve moun mouri, e pale an lang. E pale an lang nan pale la a, se pa yon langaj moun pa konen non, men yon lang etranje. Paul te oblige voyaje a travè peyi Galasi, e zon sa a te gen plis pase 50 dialekt ak diferan kalite lang ke yo te kon pale la dan. Et Paul t'est communiqué avec yo tout. Comment t'est arrivé faire ça? Est-ce qu'elle t'a gagné un groupe traducteur ensemble avec elle? Réponse là c'est non parce que malgré le pas de jambe passer l'école pour ça, Paul en fait t'est parlé toute langue ça yo. Seigneur t'a dit l'évangile t'a doué gailler jout nan dernier bout de la terre. Comme ça nan premier jour yo, il était nécessaire pour yo t'y annoncer à travers l'Empire romain hein, avec un peu de rapidité. Donc parler en langue parler dans l'autre langue étranger yo c'était un miracle. Paul dit avec un peu de patience bon Dieu fait nous ouais compte signe compte miracle compte belle bagaille qui rive dans mitan nous. Mais cependant les bon pour remarquer miracle yon apôtre t'est fini les apôtres là lui-même t'est fini. Alors peut-être gen moun ka mande mais comment on fait qu'on est miracle parler en langue infini? Eh ben c'est parce que apôtre yo pas avec nous sur la terre encore. C'est pas bas moun pote tit ki pa pou yo non, mais pa gen apôtre sur la terre encore.
Donc, ça veut dire miracle qui marchait avec apôture pas existé non plus. Koulia, m'a évité au lit avec point verset 12 à verset 15 dans des Corinthiens chapitre 12. Des Corinthiens chapitre 12 verset 12 à verset 15. Avec un pile patience, bon Dieu fait nous compte signe, compte miracle, compte belle bagaille qui arrivait dans mitano, tout ça pour ben nous preuve c'est un apport moyen. Moi pas de sous compte non, c'est vrai. Moi mande nos pardon pour faute ça. Mais à part ça, qui ça yo fait pour l'autre l'église yo, yo pas fait pour nous. Moi paré coulier pour me venir la caille nous une troisième fois. Fois ça encore, moi pas sous compte non. C'est nous-mêmes même moins besoin, c'est pas l'argent non. Comprendre ça bien, c'est pas petite qui pour faire l'argent pour prendre soin maman avec papa. C'est maman avec papa qui pour faire l'argent pour prendre soin petite. Pour moi-même, m'a content dépenser tout ça me gagner. C'est va tout plaisir pour me bailler à ta tête moi pour nous non qu'à profiter. Est-ce qu'il n'a rien même moins parce qu'il me remet nous en pile comme ça? Paul a dit gros gros oui et puis il dit yo tout temps moi-même m'a remet nous plus nous-même nous remet moins. Coulier dernier verset nous pour journée de Corinthiens chapitre 12 verset 16 dit nous c'est pour nous admettre, moi pas de jamais un chai pour nous. Mais, gué monde qui va dire, Paul, son homme qui malin, oui. Gardez les gens qui prennent nous dans pèlerin avec un bon menti. On bien garder ça pour Paul a dit nous là. Il dit, il pas t'a chercher ça y'a te gagné. C'est y'a même, il t'a cherché. Il t'a voulu gagner y'a pour Christ. Et puis, est-ce que c'est pas ça, Seigneur Jésus t'a dit à Paul Lio? Il t'a dit y'a, vin joindre moi m'a fait nous tourner pêcher moun pito. Li pa di yo chaque poisson yo te pêché ta gagne une pièce l'or dans bouche li non mais elle te di yo m'a fait nous tourner pêcher moun pito. Ah zamim, chapitre 12 livre des Corinthiens c'est réellement un chapitre merveilleux. Paul te accepté maladie ça nan kol et bon Dieu te scellé lève li yo. Pour qui ça? Parce que c'est là trop merveilleux pour un humain contempler. Ciel là c'est une place infiniment merveilleuse mais il y a pas dit non pile bagaille sous les dans parole mondiale. Ciel est tellement merveilleux que les hommes pas gain mot pour décrire. Mais cependant, c'est job nous comme chrétiens pour nous joindre monde qui pour aller là-dedans. Et ça c'est pas pour cette place là lui-même non parce qu'en fait nous pas connait pile bagaille sous les mais c'est pour monde qui a dominé là-dedans là, Seigneur Jésus. Et lui-même certainement nous connaissons un pile bagaille sous lui. Fixez Jéo sous Jésus, amis. C'est sous ça, oui, pour la persister dans le deuxième livre Corinthiens. Fixez Jéo sous lui. Le nap contemple, n'a grandi dans la foi. Et c'est pas seulement contempler la gloire, non, mais contempler Jésus lui-même. Et attitude contemplation, ça a, va alléger chayouyo dans le pèlerinage, ça qui n'a fait sous terre. Soleil n'est pas tellement chaud encore. Sable dans désert pas va briller au même genre encore. Tout monde yo dans la vie pas tellement violent encore, mais c'est si nous quitter genou fixé sous personne Christ là lui-même. Zami, est-ce que vous contemplez Seigneur Jésus dans moment ça? Et c'est comme ça nous rêver d'en faire programme non pour journée, c'était un grand plaisir pour nous être ensemble. Nous souhaitons que bon Dieu te bénisse avec le programme aujourd'hui et qu'elle va continuer à faire ça pendant toute la vie. Merci en pile parce que tu es là avec nous pour journée pour écouter une autre émission à travers la Bible. Pour capable écouter ou bien joindre l'autre ressource sur Etidio 24 sur 24 dans le site internet nous qui c'est ttb.twr.org/creole. Ou bien écris-nous par email dans l'adresse creole@twr.org. Creole écrit C-R-E-O-L-E. creole@twr.org. À travers la Bible, c'est en production Story Michel pour Radio.